Acte 3. Et bien danser maintenant. Qu'est-ce qui va nous arriver avec Sarkozy? Écoutez, comme Sarkozy est à la fois un héritier et un transgresseur, et quelqu'un qui adore affoler les radars, je n'en sais rien, parce que si vous m'aviez dit il y a un an, au moment de son élection, que le discours qu'il tenait, qui était un discours façon Lavis ou Malais Isaac, qui nous renvoyait au manuel d'histoire de notre enfance, les Gaulois, la grandeur française, la Révolution, Victor Hugo et les Misérables, de Gaulle, j'aurais dit, nous allons voir une année de retour à 1967, de gaullisme high-tech, de discours en noir et blanc. En noir et blanc, Léon Zitrone est là, le Terminator churchillien s'est mis à l'œuvre, la France va être décapée, redressée. Et puis qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le parasitage de ce discours vieux gaulliste réactualisé par le Pixel, par justement une autre focale qui est le discours point de vue gala. On est passé de paradis. On est passé de Guénaud à gala, et finalement le récit national est devenu un récit de sitcom. Ce qui est très frappant dans la façon de raconter la première année Sarkozy, c'est que c'est la grammaire, les segmentations, le type de récit de la sitcom, du soap opera, de la telenovela. Quelque part entre 24 heures chrono, Jack Bauer, l'homme qui résout toutes les intrigues, toutes les énigmes, et puis Desperate Housewives pour le côté comédie privée, oui, ben justement, comédie d'alco. Alors, Cécilia est partie, Carla est arrivée, Carla se tait, elle n'est pas encore enceinte, elle ne sera peut-être pas, elle ne chante pas, on va danser dans notre pouvoir d'achat. Alors l'histoire s'est arrêtée. Qu'est-ce qu'on va faire, malheureusement? Nous avons, à mon avis, un président en convalescence et une chanteuse temporairement à faune. Mais quand la convalescence va s'interrompre, quand la chanteuse va chanter, il y a un disque qui est prévu, un enfant, je n'en sais rien, mais il est clair qu'il reste 4 ans de mandat et qu'il faut inventer, puisque Sarkozy se pose en griot national, en auteur d'une partition politique que les Français aiment suivre, puisque l'acteur est bankable, comme on dit, il faut en effet inventer autre chose. Alors il y a plusieurs options. Il y a le retour, il y a le côté vieux gaulliste, avec Tante Yvonne étant remplacée par Carla, mais le discours... C'est pas tout à fait le même profil. Non, mais le discours du sang et des larmes, de l'abnégation, la morale, le redressement, de la morale, tout est possible. L'immoralité peut tout à fait évoquer la morale peut être évoquer l'immoralité, ça c'est notre point. Donc il y a cette ligne-là qui peut revenir. Une variante serait de faire de la politique autrement. Non plus de façon spectaculaire et intrusive, mais par une sorte de micro-chirurgie, de jeu de go, de guerre un peu chinoise, où on prendrait le paysage de la presse, de la politique, comme un échiquier, en jouant une partie subtile. C'est un télo, ça ne va pas amuser le populo. Nous, on rigolait avant. Oui, alors il y a une autre... L'année dernière, on a rigolé. Il y a une autre solution, c'est de dire... Bon, s'il y a une convulsion nationale, on dissout et on passe à l'acte de la cohabitation. On mouille tout le monde et les cohabitations, c'est toujours une façon qui amuse, alors si c'est le critère, qui amuse les Français lorsque un pouvoir s'essouffle. Il y a aussi l'option providentialiste. Pour qu'un homme soit providentiel, il faut qu'il y ait des gens à sauver, il faut qu'il y ait des causes. Alors ça, c'est par définition inattendu, mais il peut y avoir... une nouvelle école, une nouvelle prise d'otage à Delhi, il peut y avoir un tsunami politique ou réel. La Côte d'Azur qui s'enfonce brutalement dans... Oui, la faille des Alpes maritimes qui soudain fait que Sénéquier tombe dans la Méditerranée. Mais est-ce qu'on va s'amuser? Est-ce qu'on va s'amuser? Ben, je suis pas sûr que ce soit le critère, d'ailleurs, vous aurez remarqué quand même. On va danser devant le buffet, comme dans votre livre. Ah ben, danser, ça veut dire vous avez chanté, donc vous avez épuisé vos réserves de grains pendant l'hiver. Vous avez fait une sorte de mai 68 privé en période hivernale. Vous êtes allé à Charmel Chek et à Petra quand. Dans nos huttes,
Eh bien, maintenant, danser, ça veut dire mais nous aussi, faire. Ça veut nous dire aussi, faire. Je le crains. Nous aussi, je le crains, on va danser. Ben, on verra si on danse. Et puis, il y a aussi la façon de danser des pieds tendres au Far West, hein, qui est qu'on vous tire des coups de revolver entre les jambes pour que le pied tendre danse sa square dance, contraint et forcé. Il y a 40 façons de danser. Je suis terrifiée. Danser de façon langoureuse, on peut danser de pogo comme les punks, en vous heurtant. Voilà, tout est ouvert et je crois que c'est assez imprévisible à l'heure où nous sommes. Bon, eh ben écoutez, on va aller en boîte de nuit.